Quand t'as bien mâché ton chewing-gum, ta plaque de pétrole à la gomme, qu'il a pris le goût d'un vieil égout, tu peux le cracher, il est foutu. Mais si t'es fort, si t'es balèze, tu peux le coller sur une chaise. T'attends que ta tante arrive de Nantes et lorsqu'elle va s'asseoir dessus, ça colle aux doigts, entre les doigts, ça colle aux pieds, entre les pieds, ça colle des cols dans les écoles, mais lorsque l'on s'assoit dessus, ça colle aux coudes, entre les coudes, ça colle aux genoux, entre les genoux, ça colle des tics zygomatiques, mais lorsque l'on s'assoit dessus, ça colle aux cheveux pris dans les cheveux, aux crottes de nez quand c'est dans le nez, ça colle les nerfs à ta grand-mère, mais lorsque l'on s'assoit dessus, ça colle au par-dessus. Mais si t'es jeune, sans par-dessus. Si tu vas tout nu, sans tissu. Bah tiens-toi bien, ça colle à rien. Mais si t'es vieux, si t'es poilu, alors là ça colle au poil de ton cul. Non, pardon, je voulais pas le dire. Bon bah.